Maintenant, je peux vous dire bonjour. Vous allez bien? Oui. Bonjour. Oui, vous. Bonjour. Oui, on va bien. Pour eux. Très bien, alors. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ensemble la semaine dernière. Quelqu'un a un souvenir? On était dans la géométrie et qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Les droites et les segments. Oui, qu'est-ce que c'est un point? Qu'est-ce que c'est une droite? Qu'est-ce que c'est une demi-droite? Et le segment. Aujourd'hui, on va continuer et nous allons parler distance et les cercles. J'ai entendu le mot segment. C'est quoi un segment? Un segment, c'est un fragment de droite. C'est une partie de droite qui se trouve entre les deux, entre deux points. Oui? Si on donne les noms A et B, c'est deux points. Comment je note le segment AB? Crochet A, B, crochet. Crochet AB, crochet. Très bien. Maintenant, une question. Comment? Qu'est-ce que c'est une longueur d'un segment? AB. AB. Donc, quand on parle de la longueur d'un segment, ça veut dire la distance entre ces deux extrémités. Et comment on peut mesurer la longueur d'un segment? Une règle. Avec une règle graduée, parce que on peut avoir une règle qui n'est pas graduée. Regardez, ce côté-là, par exemple, ce n'est pas gradué. Si je veux mesurer la longueur d'un segment, il faut que j'ai une règle graduée. Une règle graduée. Et je ne vais pas entrer dans les détails. On sait que si je positionne 0 sur l'A, et ben, le B, par exemple, sur cet exemple, le B s'arrête entre 20, au milieu 21 et 22. Alors, ça mesure combien si B était arrêté entre 20, au milieu 21 et 22? Iléna? 21,5. 21,5 centimètres. Mètre. Déjà, on ne va pas oublier que pour mesurer les longueurs, on utilise les unités des longueurs, sont des centimètres, millimètres, mètres, etc. Très bien. Donc, maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est au milieu d'un segment. Qui peut m'aider? Milieu d'un segment. D'accord? Donc, milieu d'un segment, c'est un point qui divise mon segment en deux parties égaux. C'est-à-dire, si je prends un point O, tant que AO égal à OB, O, on appelle milieu de segment. Et pour que sur ma figure, je montre que AO égale OB, très souvent, on utilise deux petits traits comme ça. Ça montre que AO égale à OB. Voilà tout ce qu'on doit savoir pour le moment, pour les segments, et soit on écrit comme ça, si on voit cette écriture
on comprend que le haut et milieu de segment, c'est-à-dire c'est un point qui divise, qui sépare le segment AB en deux parties égaux, soit on note juste comme ça, en voyant ça, on comprend que AO est égal à OB. Prochaine figure qu'on va prendre, oh, vous le connaissez, mais on va prendre un peu connaissance et on va faire le point, c'est le cercle. Alors, qu'est-ce que c'est un cercle? Bon, je vais dire depuis tout début que je n'ai pas bon compas pour travailler sur le tableau, donc les cercles vont être pas parfaits, mais quand même, je vais essayer de faire le mieux. Allez, Marina, on t'écoute, qu'est-ce que c'est un cercle? C'est une infinie de points côte à côte. Infini de points côte à côte. Moi, j'ai infini de points côte à côte. Je comprends plutôt une droite, Marina. Regarde, infini de points côte à côte. J'ai Noah qui veut dire quelque chose, sauf que... Alors, personne ne peut pas... N'hésitez pas, les enfants. De toute façon, on va arriver tous ensemble à comprendre qu'est-ce que c'est un cercle. Donc, ce qui nous a dit Marina, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est un cercle? Un rond? Oui. Allez, Elena. C'est un ensemble de points à égale distance. C'est un ensemble de points égale distance de quoi? D'un même point. Donc, si je prends un point et je trouve l'ensemble de tous les points qui ont la même distance de ce point que je pronomme O, ça va former un cercle. C'est-à-dire, regardez. Ce point à même distance, ce point à même distance. Comme ça, je vais, si je rassemble tous ces points qui ont la même distance de O, nous allons former une figure géométrique qu'on appelle un cercle. Très bien. Merci, Elena. Donc, un cercle, c'est un ensemble des points à même distance de un point. Donc, ce point, seul point, on appelle comment? Le point O. Le point. Le centre. Le centre, le point. O, on appelle centre de cercle. Très bien. J'enlève les petits points. Je remets le cercle à peu près dans l'état. Et quelqu'un ne peut nous dire comment on s'appelle le segment qui rassemble le centre avec n'importe quel point de cercle. Le rayon. Un rayon. Donc, si je mets O et A, le segment OA, on appelle rayon. Très souvent, le rayon, on note juste avec une seule lettre. Soit petit r, soit un grand R. Quand on écrit ça, on comprend qu'on parle de rayon de cercle. Après, je prends deux points de cercle et je les rassemble. Comment on s'appelle ce segment? Je mets les lettres M et N. Une corde. Une corde. Donc, M et N, on s'appelle une corde.
me dire qui est le plus long corde de cercle? Le diamètre. Le diamètre. Alors, j'attends un nouveau mot. Diamètre. Qu'est-ce que c'est ça? Diamètre. C'est deux fois le rayon. Deux fois le rayon. Donc, deux fois le rayon. Ça veut dire? Ben, on avait dit. Le diamètre, c'est l'enseignement qui passe d'un point à un autre du cercle en passant par son centre. Attends, c'est qui parle? Esteban. Esteban, tu es un peu loin de ton micro, mais tu as commencé très joliment ta phrase. Sauf que tu as oublié une petite nuance. Tu peux répéter, s'il te plaît? Le diamètre, c'est un segment du cercle qui passe par son centre. C'est pas un segment, c'est une corde de cercle qui passe par le centre. Donc, le corde qui passe par le centre, on appelle le diamètre. Donc, ça se voit un peu. Moi, j'ai essayé de faire un pas avec les couleurs, mais je ne sais pas, est-ce que ça se voit ou non? Donc, maintenant, je reprends ce qu'il nous a dit Ernest ou je ne sais plus qui. Donc, un cas, c'est le diamètre. Et c'est égal au double du rayon. Voilà. Et le diamètre, c'est-à-dire la longueur de segment NK égale 2 fois KO ou 2 fois ON. Parce que tous les rayons de cercle ont même distance, même longueur. Donc, je vais marquer comme ça. 2 fois R, ou je vais mettre grand R, avec le, voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce que j'ai écrit là, plutôt. Donc, j'ai écrit que le diamètre égale 2 fois le rayon de cercle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport le rayon et diamètre? Le diamètre est deux fois grand de rayon et le rayon? Est-ce que je peux dire que le rayon est deux fois court que diamètre? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, en général, ce qu'on n'a pas dit, le diamètre, on note avec un seul lettre, un grand D. Donc, on peut dire que rayon d'un cercle est la moitié de diamètre. J'essaie de donner un peu l'écriture mathématique. D'accord? C'est-à-dire ça, parce que vous allez me dire, c'est pas un segment, c'est pas une lettre R. Quand on voit ça, on comprend qu'on parle la longueur de rayon et la longueur de diamètre. D'accord? Il nous reste juste une petite chose à prendre. Dans le cercle, quelqu'un ne peut me dire, je vais faire avec rouge peut-être. Comment on appelle la partie de cercle que je viens de souligner? Un arc de cercle? Un arc de cercle, c'est-à-dire la partie de cercle qui se trouve entre deux points de cercle, on appelle un arc de cercle. Donc voilà, on a revu ensemble tout ce qu'on devrait voir par rapport la distance de segment, milieu de segment et un peu de vocabulaire de cercle. Est-ce que quelqu'un a des questions?
Je m'adresse surtout à ceux qui ne participent pas du tout. Est-ce que vous comprenez, les enfants? Oui, mais est-ce que vous pouvez répéter ce que c'est le rayon? Le rayon. Rayon? Oui. Donc, le segment qui rassemble le centre de cercle avec un point de cercle, on appelle un rayon. C'est-à-dire, si nous avons un cercle, déjà, comment on construit un cercle? Avec quoi on construit un cercle? Avec un compas, bien sûr, avec mon petit compas, un peu rigolo, je ne peux pas sur le tableau blanc, mais et pour construire un cercle avec un compas, tout le monde connaît le compas. Compas, pied pointu. Donc, le pied pointu, on positionne pour ne pas abîmer mon tableau. Regardez, je vais faire comme ça. Le point pointu, on positionne et après on fait tourner le compas. Déjà, comme ça, on voit que tous les points que nous avons ont la même distance que ce point. Donc, le point pointu était mis où? Ce point, on appelle centre de cercle. Et si je rassemble centre de cercle de n'importe quel point de cercle, on appelle rayon. Qui m'avait posé cette question? C'est Karl, parce que j'ai été plus bien sûr. Karl, c'est très bien. Maintenant, c'est moi à te poser une question. Est-ce que tu peux me dire combien rayons a un cercle? À l'infini. Infini, bien sûr, parce qu'on a donné la notion de cercle, c'est les points infinis qui ont la même distance qu'un seul point. Donc, le cercle peut avoir des infinis rayons et tous ces rayons sont communs? De la même longueur. Même longueur ou ils sont égaux. Très bien. Alors, combien de diamètre peut avoir un cercle? À elle? Je demande à elle. Est-ce qu'elle peut nous dire combien de diamètre peut avoir un cercle? Pas autant qu'on veut. C'est-à-dire encore infini. Infini. Mais Aïe, qu'est-ce que c'était un diamètre? C'est la taille de notre cercle. Diamètre. C'est le double du rayon. Double de rayon. Oui, double de rayon, j'aime pas trop parce que c'est pas trop. On ne peut pas tout imaginer. Autrement, comment on a donné la notion de diamètre? C'est un segment qui passe par le point. Par le centre. Par le centre. C'est un segment qui passe par le centre. Mais ce segment aussi avait un nom. C'est une corde qui passe par le centre. Une corde qui passe par le centre. Et après, on dit que, bien évidemment, il égale double rayon. Et la corde, c'était quoi? J'ai essayé de faire participer. Et Anaïs, comment je peux tracer une corde? Je reformule ma question. Est-ce que tu peux nous aider, Anaïs? Euh,
Mais on peut la mettre entre un point et un autre. Regarde, je garde le cercle avec le centre, bien évidemment. Le centre, il faut qu'on aura. Donc, comment je fais pour tracer une corde, Anaïs? Regarde, là, nous avons écrit M, c'est une corde. Alors, comment, là, je peux tracer une corde? Mais deux points. Deux points, je prends où deux points? Sur le? Oui. Voilà, si. Sur le cercle. Sur le cercle, je prends deux points. Et je les rassemble, ça sera une corde. Une corde. Et une corde qui passe par hasard par le centre, on appelle rayon. Donc, on peut avoir des infinies des cordes et rayon. On appelle diamètre, pardon. Et les diamètres. Très bien. Les autres ont des questions ou on peut passer les exercices, les enfants? Non, c'est bon. On va passer aux exercices? Très bien. Donc, on va voir ensemble l'exercice numéro 8, page 102. Je vous laisse lire l'exercice tant que je nettoie le tableau. C'est page 102, exercice numéro 8. Alors, qui lit l'exercice? Ilyes. Ilyes. Vas-y, Ilyes. Effectue la construction en suivant les instructions du code de la figure obtenue. Trace un segment RS de longueur 4,8 cm et place son T. Place un point U non aligné avec R et S et place le point V tel que T soit le milieu du segment UV. Très bien. Donc, première chose, pour tracer un segment RS, première chose, ce que je posais, il me dit que RS doit avoir quoi comme longueur? Il est. Oui. Longueur de RS est combien? 4,8 cm. Donc, j'écris RS égale 4,8 cm. Après, place son milieu T. Comment je vais écrire pour que quelqu'un qui ne connaît pas l'énoncé comprenne que le T est le milieu de RS? Ça veut dire quoi que le T est milieu RS? Que T trouve où? Entre R et S? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, si T trouve entre R et S et il est milieu, donc je peux écrire comme ça, les enfants, que le segment FT égale segment TS. Après, ce qu'il nous disait l'énoncé, place un point U non aligné avec R et S. Si ce n'était pas non aligné, c'est-à-dire le point U appartient de segment RS ou non? Si, je répète la question, point U est non aligné avec RS. Est-ce que point U va trouver sur le segment RS? Non, il n'appartient pas. Non, appartient pas. Donc, j'écris que le point U n'appartient pas à RS. Et après, il nous demande, place le point V. T que T soit le milieu de segment UV.
c'est-à-dire T et encore 1 million les points U et B, et UT doit être égal TV. Voilà. Regardez, on a donné description de cet énoncé en mathématiques. Maintenant, on peut passer aux constructions. Qui peut nous guider? Noah qui vient. Allez, Noah. Noah? D'abord, oui. D'abord, il faut tracer un segment RS de 4,8 cm. 4,8 cm. Je vais pas respecter les mesures. Je vais faire un peu plus grand pour que ça soit visible pour tout le monde. Mais dans vos cahiers, vous pouvez faire 4,8 cm. Donc, ça, c'est à l'échelle. Je vais faire avec ça. Donc 4,8, c'est-à-dire j'arrive de là jusqu'à là. Ça fait 4. Donc GRS. Après, Noah, reste avec moi, avec nous. Oui, il faut placer le point T au centre du segment RS. Comment je trouve le centre? C'est ça qui m'intéresse. La moitié de 4,8, c'est 2,4. C'est-à-dire, d'abord, 4,8, je divise en 2. Par 2. Très bien, par 2. Ça fait 2,4. Je remets ça et je trouve 2,4. Et je place le point T. Et je fais comme ça en disant que le segment RT égale un TS. Très bien, Noah, on avance. Après, il faut placer un point U à l'extérieur du segment RS. Extérieur. Un point U qui n'est pas sur le segment RS. Alors, Noah, tu me disais, placer la lettre U où? À l'extérieur. Regarde, si par exemple je mets là, ça va ou ça va pas? Bah non, ça va pas. Pourquoi? Parce que si on prolonge le segment, c'est sur le segment. Le point U. Ils vont être alignés. Donc, pour que ça soit pas aligné, dehors de mon segment et la prolongation de segment, je prends quelque part une lettre U. Et après, il faut placer un point V sur la. Donc, aussi à l'extérieur du segment. Pour qu'on trouve où on place le point V, qu'est-ce qu'ils nous disent l'énoncé? Que le T doit être au milieu le segment UV, c'est-à-dire la longueur de segment UV va être commun. Est-ce qu'il va être deux fois plus grand que UT? Ben non, il va être égal. UT. Je parle pas TV, je parle UT. Oui, UV va être deux fois plus grand que UT. Oui. Ce que j'ai écrit, UV est deux fois plus grand que UT. Pour ça, qu'est-ce que je fais? On prend le règle entre eux. On va mesurer la longueur de UT qui arrive chez moi, c'est 2,1, donc le double va être 4,2. Chez vous, ça va être différent parce que ça dépend où vous avez noté votre point U. Mais
le principe que vous comprenez, pour trouver le point B, il faut mesurer le segment UT et après redoubler. Donc, maintenant, je peux tracer le segment UV et qui passe par les T. Et pour que je dise que TV est égal UT, je note comme ça. Vous arrivez à construire? Oui. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui. Une petite oui de Marina. Anaïs a compris? Oui. Ah, très bien. Oui. Vous avez fini construction? Timur a tout compris aussi. Non, madame, j'ai pas fini. Alors, on va aller un peu plus rapidement, Nathan, s'il te plaît. Je vous laisse terminer. On va passer à notre exercice. Ça sera numéro 16 de page 104. Alors, qui m'aide? Qui veut lire l'énoncé? Moi. Est-ce que je peux lire? C'est Manon. Oui. Vas-y. Trace un cercle C du centre O et de rayon 4,5 cm. Place un point A sur le cercle C et place le point B diamétralement opposé au point A. Marque un point D à l'extérieur du cercle C et trace le cercle du diamètre BD. Très bien. Donc, nous avons un cercle qui a de rayon 4,5. Pour noter ça, je note R égale 4. En plus, tu as de la marge là. Comment? 4,5 cm. Après, il nous dit place un point A sur le cercle. Donc, le cercle, c'est noté. Donc, A appartient le. C'est un C quelque part. Et le B est diamétralement opposé au point A. Qu'est-ce qu'on comprend là? Que AB, c'est quoi? S'il est diamétralement opposé. On peut dire que le AB est une diamètre de cercle, donc je peux écrire égal d'OR. Et après, il faut qu'on marque un point D à l'extérieur du cercle. Je vais marquer extérieur et trace un cercle de diamètre BD. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tracer cercle, diamètre, B, D. Très bien. Je pense que si j'enlève le partage écran et je regarde tout ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il nous disait l'énoncé. L'énoncé nous disait qu'on doit avoir un cercle de rayon 4,5 cm. A est un point de cercle tel que AB est la diamètre, c'est-à-dire opposé diamétralement. Trace D est le point extérieur. Je vais marquer point extérieur. Il faut tracer notre cercle. Alors, qui va me guider? Moi, je fais ce que vous me dictez. D'abord, pour tracer un cercle, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Vous allez, je n'ai pas un crayon ici qui rentre dans le... Ah, pardon. Qui rentre. Donc, vous savez utiliser le compas quand même. Je vais
Je ne vais pas vous apprendre ça. Après, on prend le règle et on ouvre le compas 4,5 cm en mettant le, un pied de compas sur 0, l'autre pied doit arrêter 4,5. Je vais, voilà. Sauf que comme je vous ai dit, sur le tableau, je ne peux pas faire ça, mais j'ai trouvé une astuce pour faire des jolis cercles. Regardez. Je vais faire comme ça. Pour faire l'autre cercle, regardez. Voilà. Admettons que j'ai un cercle avec le diamètre, rayon 4,5 cm. Ça veut dire, si je fais comme ça, c'est le O et A qui est 4,5 cm. Après, qu'est-ce qu'il me dit? Place le point B diamétralement opposé. Diamétralement opposé, ça veut dire que il faut que ça passe, c'est-à-dire le point B, je pouvais mettre n'importe où, les enfants, qui appartient de cercle. Mais pour que ça soit diamétralement opposé, il faut que mon rayon OA, je continue pour arriver jusqu'à le point B. J'ai le point B ici. Après, qu'est-ce qu'il nous dit l'énoncé? Prends un point D extérieur de cercle, c'est-à-dire le point B. Je ne peux pas prendre l'intérieur de cercle ni sur le cercle, mais il faut que je prenne extérieur de cercle. Je vais juste changer les places de A et B pour faciliter la construction, en fait. Et là, je vais faire des peintures. Donc, B. Et je prends un point D là. Maintenant, l'énoncé me dit, construis un autre cercle que le diamètre va être égal à BD. C'est le diamètre qui est BD. Comment je peux faire ça? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou nous aider? Ou vous préférez que j'explique? On mesure en 10 ans. Comment, Ilyes, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. On mesure l'écart qui est entre BD et on divise par 2. Très bien, on mesure BD. Chaque Anne dans son cahier mesure BD. Moi, par exemple, je mesure mon BD égale 16 cm, par exemple. Et pour trouver le centre ou le rayon, je vais marquer le petit R de cette cercle va être la moitié de BD, donc égale BD divisé en 2, égale 8 cm. Et après, donc, je place la règle, je trouve le 8 cm, ça va être le centre de nouveau cercle. On va donner le nom K. Et après, je prends le compas, je place le pied pointu sur K, je ouvre l'autre pied pour que ça arrive jusqu'au D et en gardant le point pointu sur le K, je tourne
le compas. Et je vais avoir un cercle, c'est pas très joli, mais voilà, qui va passer par T et P. Page 107, exercice numéro 33. Écris un programme de construction de la figure ci-contre. Je vais tout faire sur l'écran. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelqu'un ne peut me citer? Un cercle. Oui, on a un cercle. Un triangle. Et voilà, c'est tout ce que tu vois sur le dessin? Ah non, des points. Des points. Alors, on voit, je vois 4,4 cm. C'est quoi 4,4 cm? C'est le rayon. Le rayon, donc c'est le rayon ou le segment OB, oui. Donc, je peux écrire que OB, j'ai pas mis le O, égale à 4,4 cm. Après, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'on a, on a la longueur de notre segment? Hein? Ilena? Les enfants, vous avez l'écran partagé. Donc, est-ce qu'on a un autre segment qu'on sait combien le... Et ça, ah oui, sa longueur? AM. AM. Très bien, nous avons AM qui égale à 3,5 cm. Et il y a une autre chose plus importante qu'on voit. Sur mon dessin, ce n'est pas trop clair ce que je fais sur le tableau. Est-ce que vous voyez deux petits points verts? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux points verts? Je fais rouge sur mon dessin. Ça, ça va nous aider si on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux points verts? On ne pourra pas faire notre construction. Alors, quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux points verts? Vas-y, dis-le. Il y a deux points verts parce qu'il y a un point vert pour le 3,5 cm. Du coup, tu sais que l'autre point vert, c'est aussi 3,5 cm. C'est très bien, Ilena. C'est-à-dire que le segment AM égale le segment M. Moi j'avais vous expliqué avec les petits traits dans cette figure, ils ont mis les points. Donc, quand on voit les points comme ça, les enfants, on comprend que le segment AM est égal au segment MC. C'est-à-dire, la longueur de MC est combien? 3,5 cm. Ah, 3,5 cm. Je peux écrire que MC égale 3,5 cm aussi. Maintenant, on va faire un programme. Qu'est-ce que ça veut dire faire un programme, écrire un programme? Ça veut dire... Oui. Dire ce qu'il faut faire pour tracer la figure. Oui, c'est-à-dire si on efface la figure et quelqu'un va lire tout ce que nous avons écrit, il va reconstruire la même figure, exactement. Premier pas, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? Premier pas. Qu'est-ce, quelqu'un ne peut aider? Allez. Ouais. On trace un cercle C de 4,4 cm. Oui. Le rayon AO. Tracer un cercle. Centre O, on va écrire. Centre O. Rayon. Combien? 4,4 cm. 4,4 cm. De donc, rayon AO. AO ou OB. Si tu veux. Rayon 4,4 cm, je vais mettre égal OA. Et de diamètre AB. Diamètre AB. J'ajoute. Diamètre AB. Très bien. Ça, c'est premier pas. Deuxième pas. Qu'est-ce qu'on fait? On trace un point M tel que AM égale à 3,5 cm. Mais M est où? Et M appartient à C? Pas à C parce qu'on ne sait pas où, les, où est le C. On peut dire que sur le cercle, mettre le point. Oui, donc sur le cercle, mettre un point M tel que. Oui. Sur le cercle, mettre le point M tel que. Hein, Ilena. Tel que AM égale à 3,5 cm. AM égale 3,5 cm. Comment je peux faire ça? Juste, je prends le règle, je place le zéro sur là et j'essaye de tourner mon règle tant que je trouve le point d'intersection, le règle et le point. Le point d'intersection de la règle et le point en 3,5 cm. Et avec le compas? Ou avec le compas, c'est-à-dire comment avec le compas? On prend la mesure de la règle. Oui. 3,5 et après on va la tracer sur le cercle. En mettant le point pointu où? Sur le point A. Ah, très bien. Donc si on donne l'ouverture de compas est 3,5 cm, le point pointu je mets sur là et je trace un petit cercle. Et le point d'intersection des deux cercles, bien sûr que mon dessin n'est pas en mesure, ça sera le point M. Très bien. Donc là, est-ce qu'on peut ajouter, construire avec un compas? Oui. Construire. Avec un compas. Troisième pas, qu'est-ce qu'on fait? On trace le point C tel que M au milieu de AC. C'est-à-dire, un peu plus clairement, j'ai pas trop compris. On trace le point C tel que M au milieu de AC? Oui, c'est-à-dire, comment je trouve ce point C? On allonge la droite. Donc, voilà, on va allonger le segment AM et avec le règle, je mesure combien? 3,5 cm.
à partir d'où? Regarde. La règle, j'ai positionné comme ça. À partir du point M. Comment? À partir du point M. Soit je positionne la règle telle que 0 soit sur le point F. Et si je positionne 0 sur là, qu'est-ce que je fais? On fait x2. On fait x2. Donc, comment on peut écrire joliment ça? On trace un segment MC égale tracé segment MC égale 3,5 cm, tout simplement. Oui, on a trouvé le point C. Il y a une question. Est-ce que C va être aligné avec A et M? Oui. Oui, parce que ça part, ça commence à partir point M. Et la quatrième part, qu'est-ce qu'on fait? Juste on trace quel segment? On trace un segment BC. On trace un segment BC ou CB. Comme vous voulez, tracer segment CB. Merci, Elena. Juste là, il faut qu'on précise que le C doit être aligné avec A et M. Oui, parce que si je fais un autre regard de MC, je peux faire 3,5 cm comme ça aussi, Elena. Oui? Oui. Donc là, tracer segment MC 3,5 cm. Il faut qu'on précise que c'est pour ça que j'avais dit que M était le milieu de AC. Oui, donc tel que on va marquer C soit aligné avec A et M. D'accord? Soit on écrit tel que M est au milieu AC, tel que soit le C est aligné avec M et A. Très bien. Milena a très très bien travaillé. Pour les autres, ça allait? Oui. Je dis Milena. Oui. Bien travaillé. Est-ce que l'exercice vous a plu, les enfants? Oui. Oui. Oui.